ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أخوتي الكرام، كما قلت لكم في الدرس الماضي، سأركز على كثرة التكلم باللغة الفرنسية لكي يكون الدرس مفهوما عند الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc, inshallah, le cours sera inshallah principalement basé en français, inshallah, sauf dans le rappel des preuves tirées du Coran et de la Sunna, ainsi que des paroles des salaf, où je les citerai en arabe et je les traduirai, inshallah, au tabaraka wa ta'ala. Nous avons vu la semaine dernière que, où je vous ai fait une introduction sur l'importance de connaître quel est le menhaj, ou quelle est la voie à suivre, d'accord, concernant notre religion. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une voie. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé sur une voie claire et évidente. Elle est aussi claire de nuit comme de jour. Nul ne s'en détournera que celui qui est voué à sa perte. D'accord ? De même que je vous avais cité un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et autres, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-ulama'a warathatul anbiya. Wa inna al-anbiya'a لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, ceci c'est une partie d'un long hadith. C'est la fin du hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, ni argent ni or ni bien de ce monde, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'apprendra aura pris la part la plus énorme ou la plus complète. Donc, les premières personnes qui ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que c'était compagnons, sahaba. D'accord ? De même que lorsqu'une personne meurt, les premières qui héritent de cette personne, ce sont ses proches, les ayant droit à l'héritage. Dans l'autre cas ici, ceux qui ont hérité de la science du prophète en premier lieu, c'était... ce sont les sahaba, les compagnons du prophète. Donc on avait montré aussi l'importance de suivre le prophète, bien sûr, mais de suivre aussi la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont deux choses qui sont indissociables. Et ceci l'avaient très bien compris les pieux prédécesseurs, as-salafu salihun. Les pieux prédécesseurs avaient bien compris le fait que l'islam ne pouvait être compris et suivi correctement que par l'intermédiaire des compagnons. Pour quelle raison? Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux endroits dans le Coran, a vanté les mérites des compagnons. Radiallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés. Il les a agréés dans leur croyance. Il les a agréés dans leur adoration qu'ils portaient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a agréés dans
leur comportement et il les agrée dans leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait expliqué que, et je vous avais ramené des textes et des paroles, notamment la parole de Abdullah ibn Mas'ud, qui avait fait une description des compagnons en disant que c'était les meilleurs des gens, khayra hadhihi al-umma, qui avaient les cœurs les plus purs, qui avaient la science la plus conforme à celle du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui trouvaient le moins de pénibilité à appliquer les ordres d'Allah et à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ceci qu'Allah les avait choisis pour être les compagnons du prophète, ou pour tenir compagnie au prophète, et pour transmettre sa religion. Alors, Abdullah ibn Mas'ud disait à la fin, assimilez-vous à eux dans leur voie qu'ils ont suivie, ainsi que dans leur comportement et dans leurs mœurs. فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَائِقِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Car ils étaient certes sur la voie droite. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, lorsque l'on suit le fil du livre, le Mu'allif, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, a donné une description, une définition du manhaj. Qu'est-ce que le manhaj? La voie. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, هو الطريق الذي تحصل بها حقيقة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Ce qui veut dire, c'est la voie par laquelle on arrive à la réalisation du suivi de ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Une autre définition qui est beaucoup plus courte et qui a été citée aussi par l'auteur, où il dit هُوَ السَّيْرُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّحَابَةِ فِي اتِّبَاعِهِمْ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم. C'est le cheminement sur la voie des compagnons dans leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais vous citer ici, c'est ce qu'a cité le shir, la définition de منهج النبوة selon l'imam Safarini, qui est un imam qui a vécu parmi les salaf, dans l'Awami' al-Anwar, un de ses livres, de la ville de Safarin, qui est une des villes d'Égypte. Il dit, Rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Al-manhaj al-nubuwa, ma kana alihi s-sahabatu al-kiram, ridwanullahi alihim, wa ayanu al-tabi'ina lahum bi ihsan, wa atba'uhum, wa a'immatu al-deen mimman shuhida lahu bil-imama, wa urifa idhamu sha'nihi fi al-deen. وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكغرامية ونحو هؤلاء ثم يقول وهو مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فيها من خالف شيئا منه أو طعن فيه أو عاب قائله فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهاج الحق. La voie prophétique, c'est ce sur quoi étaient les nobles compagnons, qu'Allah les agrée, ainsi que les suiveurs parmi eux, parmi ceux qui les ont suivis dans le bien, puis leurs suiveurs, ainsi que les imams de la religion, ceux-là même qui ont reçu l'approbation quant à leur statut, c'est-à-dire dans leur religion. Ceux-là même qui sont connus pour leur grande religiosité, ceux dont les gens prennent de leurs paroles génération après génération, comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abdullah ibn Mubarak, etc., etc. En dehors de ceux qui ont été accusés de commettre des innovations religieuses, ou bien ceux connus par un qualificatif non acceptable, comme les Khawarij, Rawafid, Al-Qadariya, Al-Murji'a, Al-Jabriya, Al-Kagramiya et autres. Puis il continue l'imam Safarini et il dit « Minhaj al-Nubuwa, c'est la voie des savants et de ceux qui s'accrochent au texte religieux, connus pour leur attachement à la sunna, qui sont suivis dans la sunna par leur biais. » D'accord ? C'est-à-dire par leur biais, par leur intermédiaire, les gens suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui contredit cette voie, ou qui la critique, ou critique et médit celui qui parle en son nom, est un innovateur qui est sorti du groupe des croyants et s'est écarté de la voie droite et de la voie de la vérité. Voilà le manhaj nubuwa, qui n'est pas restrictif aux prophètes et aux compagnons, mais il est applicable à tous ceux qui suivent la voie du prophète et des compagnons.
D'accord? Quelles que soient les époques et quelles que soient les générations. De même que je vous avais cité la semaine dernière un verset coranique qui est très important, et je vous avais dit que ce verset coranique constitue une base dans la voie ou dans la méthodologie, dans le menhaj, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire, et celui qui fait scission d'avec le prophète, celui qui s'écarte de la voie du prophète ou de la sunna du prophète, après que les preuves lui furent venues et qui suit une autre voie que celle des croyants. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que la voie des croyants, elle s'applique en premier lieu à qui? Aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À qui s'adresse ici en premier lieu la voix des croyants? Sahaba. C'est en ceci que ce verset-là constitue un fondement et une base dans notre méthodologie ou dans notre suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui fait scission avec le prophète, après que les preuves lui furent venues, et qui suit une autre voie que celle des croyants, c'est-à-dire une autre voie que celle des sahaba, alors nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné de nous, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. L'imam al-Barbahari dit une chose très importante dans Sharh al-Sunnah. La première chose qu'il dit d'ailleurs, le premier point qu'il ramène, c'est celui-ci. Il dit, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, « Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. » لا ينفك احدهما عن الاخر. Ce qui veut dire l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam et les deux sont indissociables, ils ne peuvent se dissocier l'un de l'autre. Et en fait l'islam ici ça représente quoi? En fait c'est ce qu'implique la ilaha illallah, ce qu'implique cette parole la ilaha illallah comme adoration, comme sincérité et dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna, ça implique ici le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, ces deux choses-là, la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah, qui constituent à eux deux le premier pilier de l'islam, sont indissociables. On ne peut adorer Allah correctement en délaissant le suivi du prophète. Et on ne peut suivre le prophète correctement qu'en adorant Allah lui seul sans rien lui associer. Donc la parole de l'imam al-Barbahari, en fait, elle vient nous rappeler en fait le premier pilier de l'islam. Hiya muqtada la ilaha illallah wa muqtada shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'islam en tant que religion, en tant qu'adoration, en tant que dévotion et sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que tawhid fil ibad, dans l'adoration. Et la sunnah, le fait d'unifier ton suivi et de ne suivre que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas la sunna des gens, non pas les modes, non pas les déviances qui ont pu exister à travers les siècles et les lieux. Non pas les sunnas en tant que législation des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Car la législation du prophète, alayhi wa sallam, elle vient abroger les législations des prophètes précédents. Tout ça pour dire que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la seule qui est valable. Et la seule qui est valable pour nous à notre époque. De même que Al-Mu'allif Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné aussi une définition du minhaj salafi, qui est en fait la même chose que minhaj al-Nubuwa, mais on le dit en des termes différents. Il dit quoi? Al-Manhaj al-Salafi هو المنهاج الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بدليل لا يقدم ولا يؤخر إلا بدليل ولا يقبل ولا يرفض إلا ببرهان شرعي فلا يسلم برأي لا يوافق الشرع ولا يقر بذوق أو وجد ليس عليه بينة من كتاب أو سنة. Ce qui veut dire la voie, la méthodologie du minhaj salafi, ou le minhaj salafi plutôt, c'est la voie qui ne met en avant une chose ou en retrait si ce n'est que par, si ce n'est par le biais d'une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce minhaj
ou ceux qui se réclament ce minhaj ne devancent pas une chose ou ne mettent pas en retrait une chose que par une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, ils n'avancent ou ils ne reculent que par un dalil. Ce minhaj, cette voie-là, elle n'accorde aucune valeur à un avis qui n'est pas conforme à la législation du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Et elle n'admet aucun ressenti ou extase. El wajdou, ici, ce qu'on appelle wajdou, c'est l'extase. C'est une terminologie qui est propre aux soufis. La voie des soufis, qui rentrent en extase avec Allah, subhanahu wa ta'ala, selon leur dire. D'accord ? Et ils ne se basent pour ceci, ils ne se basent pas sur le livre d'Allah et la sunna du prophète. Cette voie-là n'accorde aucune valeur à un avis qui n'est pas conforme à la législation d'Allah et ou alors un ressenti ou une extase qui n'est pas basée sur une preuve du livre d'Allah. Ceci, c'est pour répondre à deux groupes qu'on verra, Inch'Allah, dans le cours suivant, Inch'Allah. Deux formes de déviance qui sont en fait les deux bases dans la déviance des gens. C'est ceux qui font prévaloir la raison sur les textes religieux. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui font valoir al-dhuq ou al-wajd, c'est-à-dire le ressenti ou les sentiments sur les textes religieux. Donc, le manhaj salafi, il vient pour contrecarrer cette voie-là et cette voie-là. Mais la voie des salaf, ou le manhaj salafi, c'est une voie qui est au juste milieu. Comme on le verra, Inch'Allah, dans quelques temps. D'accord ? C'est une voie de juste milieu. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la meilleure des voies, avec la meilleure des religions. C'était l'homme le plus parfait, salawatullahi wa sallamuhu alayhi, et il avait autour de lui les gens les plus parfaits. C'est pour ça que beaucoup de savants ont dit que lorsqu'ils ont retracé un petit peu ce avec quoi était venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et toutes les voies discordantes qui sont apparues, que ce soit avant l'islam ou que ce soit pendant le mandat prophétique ou après l'islam, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont constaté que l'islam était toujours une voie de juste milieu. Kama qala al-mu'allif yaqul al-islam wasatun fi bab al-ahkam wal asma' wal sifat والقدر والإيمان والكفر وفي باب الصحابة. Il dit que l'islam, c'est une voie de juste milieu concernant les lois religieuses, concernant les noms et les attributs d'Allah, concernant la croyance au destin, concernant la croyance sur la foi et la mécréance, et concernant le comportement à avoir par rapport aux compagnons du prophète. في باب الأحكام هو بين إفراط اليهود الذين غلوا في دينهم وضيعوا أنفسهم وتفريط النصارى الذين تساهلوا تساهلا عظيما. Il dit dans les lois ou les règles religieuses, on est entre les juifs et les chrétiens. Les juifs qui ont exagéré dans leur religion jusqu'à leur rendre leur religion difficile à appliquer. Et on est à l'opposé d'eux, il y a les chrétiens qui, eux, ont été vraiment négligents et laxistes. Donc, vous voyez que l'islam, concernant les règles religieuses, il est entre l'exagération des juifs et le laxisme des chrétiens. De même que nous sommes entre les juifs et les chrétiens concernant les prophètes. Vous savez que les juifs ont été très durs envers leurs prophètes jusqu'à ce que ils en ont tué certains parmi eux. Ils ont été très durs avec leurs prophètes. Alors que, à l'opposé, les chrétiens, eux, ont élevé leurs prophètes jusqu'à les rendre comme des divinités, notamment Isa ibn Maryam. Alors, le musulman, il est entre les deux. Le musulman ne va pas rendre le prophète ou les prophètes au rang de divinité. Et il ne va pas non plus dégrader et insulter les prophètes comme l'ont fait les juifs avant eux. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La tatruni kama ataratil yahu al-nasara Isa ibn Maryam »
Fakulu Abdullahi wa Rasulu. Ne m'élevez pas au-dessus de ce que je suis, comme les chrétiens ont élevé Isa ibn Maryam. Ils l'ont élevé au rang de fils de Dieu. Mais dites plutôt Abdullahi wa Rasulu. Dites plutôt serviteur d'Allah et envoyé d'Allah. De même que, on est aussi dans une voie de juste milieu concernant le destin. Entre ceux qui renient le destin carrément et qui disent que la qadar wal amru unuf. Wal amru unuf, c'est-à-dire wal amru jadid. C'est que les choses qui se déroulent dans la vie de tous les jours, elles sont nouvelles et elles n'ont pas été précédées par ce qu'Allah a écrit dans la table gardée. Autrement dit, c'est comme s'il disait que Allah ne sait pas ce qui va se passer avant que la chose se passe. Ce qu'on appelle al-qadariya, ou nufat al-qadar. Donc ça, c'est un extrême. L'autre extrême, c'est ce qu'on appelle les fatalistes. Ce sont ceux qui disent que toute chose est déjà écrite, certes, mais lorsque j'ai fait un péché, c'est Allah qui me l'a écrit. Donc, pourquoi alors s'abstenir de le faire? Et toutes sortes d'incohérences comme ça. Alors, les gens de la sunna sont entre les deux. Certes, Allah a tout écrit, subhanahu wa ta'ala, et le destin de chaque créature a été déjà scellé dans la table gardée. Certes, walakin Allah nous a donné aussi un libre arbitre sur lequel on sera jugé le jour du jugement. Donc nous sommes entre ces deux extrêmes. Bayn al-qadariyati wa bayn al-jabriya. Et on est aussi entre al-murji'a wa al-khawarij fi babi al-iman wa al-kufr. Nous sommes entre al-murji. Murji, c'est une secte qui apparaît qui disent que la foi elle est juste dans le cœur. Ou certains ils ont dit la foi elle est dans le cœur et dans les paroles. Les actes ne font pas partie de la foi. Et ces gens-là, ils ont été amenés à dire que ma foi, elle est égale à celle de Abu Bakr et celle de Jibril. Comme les dents d'un peigne, comme elles sont alignées comme ça. Ils ont donné cet exemple-là pour dire que la foi des croyants, elle est au même piédestal. La foi de Jibril, elle est équivalente à la foi d'un tel ou un tel. La foi de Abu Bakr, elle est au même niveau qu'un tel ou un tel. Ce qui est complètement faux, bien sûr. Car la foi, comme on le sait, elle augmente et elle diminue selon les œuvres de chacun. Alors le Murji'a, ils disent la foi, c'est quelque chose dans le cœur. Les actes n'ont aucune influence sur la foi. Faites toutes sortes de péchés, ceci ne portera pas préjudice à votre foi. Voilà leurs propos. Et à l'opposé, il y a eu Al-Khawarij, qui est la première secte qui est sortie de l'islam. Eux, ceux-là même qui ont dit que la personne qui commet un grand péché, kabiratan min al-kaba'ir, alors elle sort de l'islam, elle n'est plus musulmane. Elle sort de l'islam carrément. Man irtakaba kabiratan min kaba'ir al-dhunub, faqad kharaja an da'irati al-islam. Fa huwa mukhalladun fi an-nar. Et en plus de ça, il s'éternisera en enfer, comme eux ils le disent. Ça c'est le Khawarij. C'est pour ceci que les Khawarij ont excommunié les Sahaba. Ils ont excommunié Ali ibn Abi Talib de l'islam. Soi-disant car ils n'avaient pas pris le livre d'Allah comme juge. Vous voyez, deux extrêmes. Alors les gens de la sunna sont entre les deux. Ils disent que la personne, elle ne sort pas de l'islam que par une chose qui fait sortir de l'islam. Pas que par un acte annulatoire de l'islam. Mais les grands péchés, ils ne font pas sortir de l'islam dès lors que la personne reconnaît dans ses grands péchés qu'elle est fautive. D'accord ? Et à l'opposé, ils disent que les actes font partie de la foi. Autrement dit, la personne, lorsqu'elle agit, plus elle fait d'actes, et ça on peut le ressentir nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, plus on fait d'actes d'adoration, plus notre foi elle augmente. Moins on fait d'actes d'adoration, plus notre foi elle diminue. Donc c'est intimement lié. D'accord ? Donc les gens de la sunna, ils sont entre ces deux extrêmes. Vous avez compris les frères ? Donc ça c'est une des particularités de l'islam et de la voix des gens de la sunna parmi les groupes déviants. Maintenant je vais vous parler de quelles sont les particularités du minhaj al-nubuwa. Quelles sont ces particularités ? Quelles sont les choses par lesquelles il se différencie des autres voies ?
quelles sont les choses par lesquelles on reconnaît la voix prophétique. يقول المؤلف حفظه الله تعالى أولا هذا المنهج لا يقدم عقلا على نقل بل يقطع بموافقة صريح منقول لصحيح منقول. C'est-à-dire, cette voie ne donne pas la primauté de la raison sur les textes religieux. On ne fait pas devancer la raison sur les textes. Et on va voir, je vais vous expliquer que ça, c'est un courant religieux qui existe encore à notre époque. Ce courant-là, qui fait prévaloir la raison sur les textes religieux. Et tout ce qui contredit la raison, alors, c'est à rejeter, même si ça venait du livre d'Allah. Alors, la voie prophétique, elle ne donne pas la primauté de la raison sur les textes religieux. Mais plutôt, elle tranche de façon décisive sur la concordance et la conformité entre la raison saine et le texte authentique. Il n'y a pas de contradiction entre la raison saine et le texte religieux. Mais les deux vont de pair. Les deux sont complémentaires. D'accord ? Et cette voie ne fait pas la distinction entre la législation d'Allah et la réalité des choses. Ça, c'est pour répondre aux philosophes. Non plus entre la science et les actes. D'accord ? Ça veut dire que les gens qui se réclament du minhaj salafi, ou du minhaj ahli sunnati wal jama'a, ou du minhaj ahli hadith, lorsqu'ils voient une chose qui vient du livre d'Allah ou de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ne le comprennent pas par la raison, ils se soumettent au texte. D'accord ? Et beaucoup de choses qui viennent du livre d'Allah et de la sunna du prophète ne peuvent pas être appréhendées par la raison. Beaucoup de choses. Si on retrace, si on parle par exemple des qualificatifs et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que avec notre raison qui est déficiente, qui est définie, est-ce qu'on peut connaître la réalité de la sifat, de l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Quand Allah nous dit que il est savant sur toute chose, est-ce que notre raison peut appréhender la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. Quand Allah nous dit qu'il a un visage, est-ce qu'on peut concevoir le visage d'Allah? Impossible. Donc sur ce genre de choses-là, on se soumet au texte. Et on ne dit pas, comme on dit le Mu'tazila ou le Jahmiya, ceux qui ont renié les sifats d'Allah, ils ont dit... Puisque ça ne rentre pas dans la raison, alors on le rejette. Mais les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils se soumettent au texte. Donc c'est une des particularités de cette voie prophétique. C'est que lorsque la raison est déficiente, elle ne doit pas prendre le dessus sur les textes religieux. D'accord? Taïb. Maintenant sur les choses où la raison a son mot à dire. Alors c'est la raison saine qui est demandé ici, et pas la raison qui est malade. D'accord ? La raison saine, elle vient en conformité avec les textes religieux. Ceci, c'est logique, mes frères. Comment Allah va descendre un livre contenant des versets où il nous appelle à la raison, à maintes et maintes reprises, et il nous demanderait par la suite de faire abstraction de notre raison ? Non. On doit utiliser notre raison, mais à bon escient. Et dans les choses où Allah nous demande de l'utiliser. D'accord ? Et ceci ne vient pas en non-conformité avec les textes religieux, mais elle vient plutôt appuyer les textes religieux. D'accord ? Afala ta'qilun, afala tazakkarun. Alors que les philosophes, ou les mutakallimoun, c'est ceux qui sont apparus déjà à l'époque de l'imam Ahmed. Ils ont dit quoi ? La raison, elle prend le dessus sur les textes religieux. Car Allah nous a doté d'une raison. Donc ça prend le dessus sur les textes religieux. L'imam al-Khalifatul Ma'moun, al-Khalifatul Abbasi, le calife al-Ma'moun, calife al-Abbasid, c'est par son biais ou c'est par son ordre que les textes philosophes grecs ont été traduits en arabe. C'était quelqu'un qui aimait la science. Mais il aimait toutes sortes de sciences, les bonnes et les mauvaises. Il aimait la science religieuse, mais il aimait aussi la science de la rhétorique, de la spéculation philosophique et de toutes ces sciences-là qui ont porté préjudice à la croyance des Sahaba, la croyance des musulmans plutôt. Alors les textes ont été traduits.
Et des musulmans sont tombés dedans. Et ont commencé à discuter sur le livre d'Allah en utilisant des fondements et des bases philosophiques grecques. Vous imaginez un petit peu? Les gens de la Sunna disaient, قال الله قال رسول الله قال الصحابة et ces gens-là disaient قال أرسطو قال أفلاطون قال Platon dit Aristote dit comme si Platon Euclide et Aristote et consorts avaient plus de valeur et connaissaient plus la religion d'Allah que les Sahaba et pourtant à l'époque de l'imam Ahmed déjà les prémices de ceci étaient déjà courants et répandues. Alors mes frères, parmi les choses par lesquelles se caractérise la voie du prophète ou le menhaj des gens qui suivent Salaf Salih, il y a que les textes ont toujours la primauté sur la raison. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Oh vous qui avez cru, le discours s'adresse aux croyants mes frères. Ne devancez pas Allah et son prophète. La tuqaddimu bayna yadayhi wa rasuli. Ne devancez pas Allah et son prophète par les paroles de un tel ou un tel, quel qu'il soit, fût-il Abu Bakr. Alors que dire de Platon et autres? Ne devancez pas Allah et son prophète. Et Allah nous dit quoi juste après? Wattaqullah et craignez Allah. Ceci fait partie de la taqwa, mes frères. C'est un ordre religieux. Ce n'est pas un choix que Allah nous a donné. Comme disent certains, nous allons réformer la religion. On va rajouter ce qu'on veut et on va retrancher ce qu'on veut pour que ça soit conforme au XXIe siècle. La religion n'a pas besoin d'être réformée. La religion, c'est celle qu'Allah nous a laissée, subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Et j'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam. Qui a parfait la religion? Allah, subhanahu wa ta'ala. La religion a été scellée du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car ce verset-là, il a été descendu juste avant que le prophète meure. C'est un des derniers versets qui a été révélé. Donc la religion, elle est scellée, mes frères. Celui qui vient rajouter quelque chose ou qui veut venir retrancher quelque chose, celui-là est en non-conformité avec ce verset coranique. C'est comme s'il prétendait qu'Allah n'a pas complété la religion ou que le prophète a caché quelque chose. C'est grave. Alors, les frères, ne pas faire devancer une parole, une croyance, une philosophie ou je ne sais quoi sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. La deuxième caractéristique, c'est que cette voie-là, elle est basée sur des piliers. C'est d'ailleurs le titre du livre. Da'aim manhaj al-nubuwa. Et on avait expliqué, ça veut dire quoi da'aim? Da'aim, c'est Al-arkan, les piliers, al-usul ou al-usus, ce sont les piliers, les fondements sur lesquels s'appuie cette voie. Quels sont-ils ces fondements? Premièrement, yaqul mu'allif. Awalan al-audatu wa rujou' ila al-kitab wa sunna bi fahmi salaf al-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. C'est le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète selon la compréhension des sahaba et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Ça, c'est la première chose. ثانيا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك وأهله بصوره المختلفة. C'est-à-dire, c'est appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid, au monothéisme, et mettre en garde contre l'associationnisme et ceux qui le pratiquent sous toutes ses formes. Et c'est très important ça. Mettre en garde contre l'associationnisme et ceux qui le pratiquent. Ibrahim a dit quoi? Et qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, Ibrahim et ceux qui le suivaient dans le tawhid, ils ont dit à leur peuple,
nous nous désavouons de vous d'abord et de ce que vous adorez. Donc, al-bara'atu min sahib al-shirki, ou min al-mushrik, thumma min al-shirki. On se désavoue d'abord de celui qui pratique le shirk et ensuite du shirk. Car Ibrahim, alayhi salam, a'lan al-bara'ata min ashab al-shirki, min ahli al-shirki, thumma tabara'a min al-shirki nafsi. Ibrahim, il a ouvertement, il s'est ouvertement désavoué de ceux qui pratiquent le polythéisme. Et ensuite il s'est désavoué de du shirk en lui-même. Hadi min mumayyizat, c'est une des particularités de un des piliers de Menhaj al-Nubuwa. De même que ce Menhaj, un des piliers de ce Menhaj, c'est qu'il appelle au suivi scrupuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a déjà vu. De ne pas suivre une autre voie que la sienne. Très important. Naam, ad-da'watu ila ittiba'i bi tajrid al-mutaba'ati lil-ma'soum sallallahu alayhi wa sallam dun man siwa. Rabi'an, quatrièmement, nabdh al-bid'ati wa at-tahazzub al-madhmoum. C'est de rejeter l'innovation religieuse et le partisanisme qui est répréhensible dans l'islam. Partisanisme, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, moi, je suis marocain. Moi, je suis algérien. Moi, je suis tunisien. Ah, toi, tu es algérien. Ouais, moi, je suis berbère. Je suis pas comme toi. Nous, on est les vrais arabes. Vous, vous n'êtes pas les vrais arabes. Nous, on fait partie de tel courant politique. Nous, on fait partie de tel courant politique. Nous, on fait partie de telle voie soufie. Pas vous. Etc., etc., etc. Tout ça, ça s'appelle al-tahazzub. Wa al-tahazzub fil islam haram. حرمه الله تبارك وتعالى نعم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون écoutez bien ce verset. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et ne soyez pas comme les mushrikin, ceux-là même qui ont divisé leur religion et ils se sont constitués en différentes parties, différents clans, chacun étant content de ce qu'il avait ou de son clan. Hadi min simati ahli shirk, ça fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation et des gens du shirk, des polythéistes. C'est le fait de diviser et de faire du partisanisme ou du multiparti, comme on dit. Ceci, c'est condamnable. D'accord? Mais Allah dit subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah. واعتصموا بحبل الله جميعا, et cramponnez-vous à la corde d'Allah. Et la corde d'Allah, كتابه ودينه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء. Et cramponnez-vous à ceci. وَلَا تَفَرَّقُوا, et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. C'est un ordre ou c'est pas un ordre? C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Des dissensions, du multiparti, des dissidences, et chacun se combat, etc., etc. Et tout le monde prétend être sur la voie droite. Voilà l'importance de connaître les choses qui caractérisent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est à travers ceci qu'on pourra voir si nous effectivement on est sur la voie droite ou alors on est sur une voie qui est dissidente. Donc, rejeter l'innovation religieuse ainsi que le multipartisme, car ceci est condamnable. Parmi aussi piliers de la voie prophétique, لزوم غرز الصحابة في مسائل الإيمان والكفر والدماء المعصومة بالإيمان والأمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله طلبا ودفعا والإمامة والبيعة ولزوم الجماعة ومعاملة ولاة الأمور والولاء والبراء. Ce qui veut dire, je ne l'ai pas traduit, je vais le traduire directement, et aussi suivre scrupuleusement la voie des compagnons, que ce soit dans les problématiques de la foi ou de la mécréance,
dans le sang qui est sacré. Al-dam al-ma'soum, c'est le sang qui est sacré. Ne pas faire couler le sang à non-droit. De même, appeler au bien comme le faisait Sahaba et réprouver le mal. Le jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, que ça soit offensif ou défensif, ceci avec ses conditions. De même, al-imam, comment on reconnaît, comment doit être élu, si on peut dire comme ça, le dirigeant ou le gouverneur ou le chef des croyants. De même, rester accroché à la jama'a, ne pas se dissocier de la jama'a, le groupe des croyants. Comment se comporter face au gouverneur, quel qu'il soit. Et ainsi, l'alliance et le désaveu, d'accord, envers les croyants et les non-croyants. Ça fait partie des piliers de Menhaj al-Nubuwa. Donc, c'est une des particularités du Menhaj al-Nubuwa. Le premier, c'est qu'il ne faut pas devancer les textes, la raison sur les textes religieux. Le deuxième, c'est qu'il est basé sur des piliers, comme on vient de le voir. La troisième chose, huwa muhassan, ça c'est très important à comprendre, Inch'Allah. Et je vais finir le dars avec ça. Huwa muhaiminun ala kulli zamanin wa makan. وأصوله لا تتأثر بواقع عصري ولا بعرف محلي. C'est-à-dire que cette voix-là, la voix du prophète, elle est prédominante et elle est au-dessus de toutes les autres voix, tous les courants, de toutes les philosophies, quelles qu'elles soient, en tout temps et en tout lieu. والمهيمن. Ses fondements ne sont pas influencés par les événements contemporains ni par les coutumes locales. Ça, c'est clair, mes frères. Les fondements de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont ni influencés par des événements qui pourraient se dérouler à une époque parmi une autre, ou alors par des coutumes locales. Autrement dit, les personnes à notre époque qui appellent à la réforme de l'islam, vous avez entendu ça? Il faut réformer l'islam. Il faut réformer les lois de l'islam pour qu'elles soient applicables au XXIe siècle. Cette parole est fausse. Elle n'est pas concevable. Pourquoi? Car la voie que nous a laissée le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette voie-là, c'est la meilleure. Cette voie-là, elle est applicable à tout moment et en tout lieu. Ila yawm al-qiyamah. Ala rahmi unufiha hula. Même si tous les gens n'étaient pas d'accord avec, même si tous les gens sur terre ne sont pas d'accord avec ça, c'est un décret divin. C'est comme ça et pas autrement. Alors ceci, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. On ne doit pas être influencé par les dires de un tel ou un tel à notre époque. L'islam n'a pas besoin d'être changé. D'accord? L'islam n'a pas besoin d'être changé dans ses fondements. Les lois religieuses, les peines applicables ou les peines légales que l'on doit appliquer sur des personnes, elles n'ont pas besoin de moratoire ou je ne sais quoi. Elles sont applicables, bien sûr, dans un gouvernement islamique, mais elles sont applicables, alhamdoulilah. Et dans ces lois-là, il y a la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette voie-là est prédominante et elle est au-dessus de tout temps et de tout lieu. Et c'est pour ceci, mes frères, et ça, j'y reviendrai par la suite dans des cours plus loin, inshallah, c'est que les gens qui suivent la voie prophétique, les gens qui se réclament du minhaj salafi, bien qu'ils ne se connaissent pas, ils peuvent être à des milliers de kilomètres ou à des années-lumière, des années et des années entre eux, dans les générations, vous verrez qu'ils tiennent le même discours. Ils tiennent le même discours, ils ont la même croyance, ils ont la même méthodologie. Pourquoi? Car leur méthodologie, leur croyance, elles découlent de la même source. Elle n'est pas influencée par les vicissitudes du temps ou alors les coutumes locales. Ceci, ça fait partie des caractéristiques de la voix des salafs. Vous verrez qu'ils ont toujours le même discours. Et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent entre eux. Le Qaim al-Jawziya disait « Innal arwaha junudun mujannada ». Les âmes, elles sont comme des armées bien rangées. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque les armées se rangent bien, vous ne voyez pas de failles entre elles. Elles s'accordent, elles s'imbriquent très facilement. Pourquoi? Parce qu'elles sont en conformité les unes avec les autres.
De même que les croyants qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se reconnaissent facilement les uns envers les autres. Il n'y a pas besoin de discuter des heures. Ça, on se reconnaît facilement les uns envers les autres. Pourquoi ? Car il y a des paroles qui nous parlent. Il y a des faits et gestes qui parlent. Il y a une attitude qui parle. Et ça, nous l'avons pris d'où ? Nous l'avons pris de la source pure du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce que nous ont laissé les sahaba. Et en fait, dernière chose, inshallah, c'est que les gens de la sunna, قَرُونَ مُتْمَئِنُّونَ, ils sont dans une sérénité et une quiétude que les autres n'ont pas. Car ils savent qu'ils sont sur la voie droite. Et cette quiétude qu'ils ont, elle se reflète dans leur comportement. Et pour ceci, je vous ramène un athar de qui a été rapporté par l'imam al-Zahabi fi Siyar A'lam al-Nubala. Siyar A'lam al-Nubala, c'est un ouvrage en plusieurs volumes qui retrace la vie des salafs, qui a été écrit par l'imam al-Zahabi, qui est un élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il dit, d'après Yahya ibn Aoun, un Yahya ibn Aoun, qala, kultu ma'a suhnoun. Sahnoun, c'est un contemporain à lui. Il dit, fadakhalna ala ibn al-Qassar. Fadakhalna ala ibn al-Qassar. Fakana marid. Fakala lahu Sahnoun, limadha hadha al-qalaq? Kala ibn al-Qassar, li ajli al-maut, wal-kuduma ala Allahi tabaraka wa ta'ala. Fakala lahu Sahnoun, rahimahullah ta'ala, kana aliman min ulama al-salaf. قال ألست تؤمن بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل خير الأمة أبو بكر وعمر وأن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة واستوى على عرشه ولا تخرج على ولاة الأمور بالسيف وإن جروا؟ قال إي والله. Qala mut in shitta, mut in shitta. Ça veut dire, Yahya ibn Aoun a dit, j'étais avec Sahnoun et nous sommes partis visiter ibn Qassar qui était malade, il était sur son lit de mort. Et Sahnoun a dit à ibn Qassar, je te vois inquiet. Pourquoi cette inquiétude? Quelle est la raison de cette inquiétude? Il dit, c'est la mort. Et c'est le fait que je pense que je vais retourner vers Allah, c'est ça qui me rend inquiet. Alors Sahnoun lui a dit, ne crois-tu pas aux envoyés? Ne crois-tu pas en la résurrection et au jour du jugement et au jour des comptes? Ne crois-tu pas au feu et au paradis et à l'enfer? Ne crois-tu pas que Abu Bakr et Omar sont les meilleurs de cette communauté? Ne crois-tu pas que le Coran est la parole d'Allah? J'ai oublié de vous citer en arabe. Le Coran est la parole d'Allah, que Allah sera vu le jour du jugement. Il s'est établi sur son trône, qu'il ne faut pas sortir sur les gouverneurs avec ton épée, même s'ils sont oppresseurs et injustes. Il dit, si, je crois en tout ça. Il dit, alors meurs si tu veux. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ne crois-tu pas aux envoyés, ainsi qu'au jour du jugement et au jour des comptes? Ceci, c'est une réfutation sur qui? C'est une réfutation sur les koufars, qui eux ne croient ni aux envoyés, ni aux... au jour de la résurrection. Ensuite, il lui a dit, ne crois-tu pas que les meilleurs de cette communauté sont Abu Bakr et Omar? Ceci est pour réfuter et pour se différencier des chiites. Ne crois-tu pas que le Coran est la parole d'Allah? Ceci, c'est pour réfuter et se différencier d'Al Mu'tazila ou Al-Asha'ira, deux groupes dissidents qui disaient que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Ne crois-tu pas que Allah sera vu le jour du jugement? Ceci pour se différencier d'Al Mu'tazila. Et que Allah s'est établi sur son trône aussi. Et ne crois-tu que tu ne dois pas sortir sur les gouverneurs, même s'ils sont oppresseurs, avec ton épée? Ceci pour réfuter contre Khawarij. Il a dit, si, je crois en tout ça. Il a dit, bah, si tu crois en tout ça, alors tu peux mourir en paix, car tu es sur la voie droite. Donc les gens de la sunna, leur comportement, il doit être comme ça. Si on croit à ce qu'ont cru les sahaba, et si on est sur la voie sur laquelle étaient les sahaba, Allah a agréé les sahaba. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous agréerait-il pas? Si vraiment on est sur la voie des sahaba. Vous avez compris? Ou à quoi les salaf, les paroles des salaf sur ça, elles sont nombreuses.
sont nombreuses. Donc mes frères, le croyant qui suit la voie des salafs, il ne doit pas être inquiet, mais il doit faire preuve de quiétude. D'quiétude, d'apaisement, de sérénité. Quant à cette chose-là, وَاقْتَفِ بِهَذَا الْقَدْرِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَةِ أَجْمَعِينَ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وقل رب زدني علماً.